Les taureaux, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer vos énergies générales pour le mois de juin 2023. Et pour commencer, on va aller voir l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce mois-ci. Alors, l'ermite. Avec l'ermite, il va y avoir une période de réflexion, une période de retour sur soi et sur le passé. L'ermite, il regarde ce qu'il a déjà réalisé et il essaye de comprendre ce qui s'est passé aux différentes époques de sa vie ou en tout cas pour différentes circonstances. Et il se dit, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment je peux agir en connaissance de cause, hein, comment je peux trouver des modes d'emploi pour le nouveau cycle que je m'apprête à vivre avec l'arcane 10, la roue de fortune, en suivant. Donc, on va aller voir comment sur cette période, vous allez pouvoir réfléchir à ce qui vous est déjà arrivé, à ce que vous avez déjà vécu. On avait vu que de toute façon, sur la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année et que vous retrouverez dans la playlist à la fin de cette vidéo, on avait vu que le printemps était le siège d'un renouveau et d'un changement profond, notamment en juin, avec de la nouveauté. Donc, on va voir comment ça peut s'inscrire, justement, cette réflexion un peu préambulaire à un nouveau cycle. Allez, quel est votre état d'esprit? Eh oui, Hiérophante, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de comprendre, vous avez envie d'atteindre un autre niveau. Et donc forcément, pour atteindre un autre niveau, il y a forcément une période de réflexion et de retour sur soi. Ok, ça c'est plutôt pas mal parce que en général, c'est vraiment les énergies qui sont présentes quand on va opérer des changements importants dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le roi d'épée, le roi d'air. Donc, la préoccupation, c'est de pouvoir réaliser et concrétiser ce que vous avez envie. Hein, c'est vraiment le roi d'épée. En fait, si vous voulez, c'est celui qui est capable de mettre en œuvre à peu près n'importe quoi. Du moment qu'il le pense, il peut le concrétiser. Sauf que là, c'est dans vos préoccupations. Donc, ça veut dire, est-ce que je vais être en capacité de mettre en œuvre ce que je souhaite réaliser? Et effectivement, peut-être que pour ça, il y a une nécessité qui est d'évoluer le hiérophante et de réfléchir à comment. Alors, on va regarder l'événement. Ok, reine d'épée. Bah, l'événement, c'est que vous allez réfléchir de façon lucide sur la situation. La reine d'épée, on lui a déjà fait 10 fois le coup. Elle, c'est fini, on ne l'attrapera plus. C'est-à-dire qu'elle est en capacité de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, avec, comme je vous disais, grande lucidité. Et donc, elle va pouvoir trancher et prendre des décisions éclairées. Hein, c'est vraiment sa capacité. Ok, donc il y a visiblement des décisions qui vont être prises, ou en tout cas, il y a des situations qui vont être passées un peu au laser. Hein. Ce qui vous aide, on va aller voir ça. Hop là. Le 9 de coupe, le 9 d'eau, magnifique. Le 9 de coupe, ce qu'il vous dit, c'est que il y a des rêves en vous, il y a des espoirs. Il y a quelque chose que vous voudriez par-dessus tout avec le 9 de coupe. Eh bien, ce qui va vous aider, c'est de vous y accrocher. C'est en fait de vous dire, bah oui, ok, vous n'êtes pas sûr de pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Mais finalement, vous y accrocher va vous donner la bonne direction, va vous donner l'énergie nécessaire à la réflexion, va vous donner aussi peut-être la capacité de voir les choses avec cette grande lucidité. Et en gros, le 9 de coupe, le 9 d'eau ici, il vous propose de poursuivre vos rêves. Il vous propose de poursuivre un idéal que vous avez et qui ne doit pas être abandonné. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? La reine de denier. De penser sécurité. Ah, intéressant. Parce que ici, finalement, on vous dit que dans l'idéal que vous êtes en train de penser ou en train d'espérer, avec la coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans l'affectif, on est dans tout ce qui est sensation et qui n'est pas vraiment concret. Et on vous dit qu'avec la reine de denier, finalement, penser trop de façon terre-à-terre, concrète, d'avoir une pensée trop pragmatique va entraver. Donc, en fait, on vous dit de laisser libre cours à votre imagination guidée par votre envie et vos rêves. C'est un peu
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des séances de coaching, et des fois dans la séance de coaching, on vous dit, bon, et si vous aviez une baguette magique, on imagine, on fait un jeu, vous avez une baguette magique, et donc vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez et comme vous le voulez. Qu'est-ce que vous imagineriez? Eh bien là, en fait, on vous propose ça. On ne vous dit pas, bon, voilà les moyens en votre possession, comment vous allez pouvoir bricoler les choses. On vous dit, dans l'idéal, vous feriez quoi? Et une fois que vous avez votre idéal, eh bien vous chercherez à comment le mettre en œuvre. Mais pas l'inverse, parce qu'en fait, de commencer dans l'autre sens vous enferme. C'est-à-dire que vous ne voyez que les ressources qui sont actuelles en votre possession et pas celles que vous pourriez acquérir ou dont vous auriez besoin. Donc ici, en gros, on vous dit, vous voulez passer à autre chose, évoluer, et il y a un rêve ou en tout cas une envie, un idéal qui prend forme ou qui est déjà là depuis longtemps, que vous souhaitez atteindre. Au lieu de vous dire, bon ben voilà, la situation elle est telle quelle, et donc comment je pourrais essayer de faire rentrer mon rêve, mon ambition dans les conditions, on vous demande de dire, voilà, ça c'est mon rêve, pour y arriver j'ai besoin de ça, et maintenant comment je fais pour avoir ça? C'est vraiment toute une autre démarche, hein. Alors on va aller voir sur le plan émotionnel. La grande prêtresse, pardon. Eh ben, c'est très bien. On vous dit suivez votre intuition. Allez chercher en vous. Alors, l'ermite et la grande prêtresse, là, je peux vous dire que vous pouvez faire 1 heure de méditation par jour. Vous allez trouver les réponses à toutes vos questions. Parce que c'est vraiment, c'est à l'intérieur de vous. Tout se trouve à l'intérieur de vous. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que là, on va voir hein, ce que ça nous dit dans le matériel, mais je serais très étonnée qu'on nous sorte un 6 de denier qui nous dit on est obligé de coopérer, on est obligé de demander de l'aide. Non, tout est en vous. Tout est en vous et avec la grande prêtresse dans l'émotionnel, on vous dit mais suivez votre intuition, peu importe ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, votre intuition vous guidera de façon juste et elle alimentera, ou en tout cas elle est alimentée ou elle alimentera la reine d'épée qui elle est lucide. Donc quand on est lucide, l'intuition l'est également. Allez, on y va. Sur le plan matériel. As de bâton. Bah oui, as de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, il y a quelque chose, il y a une nouvelle passion, une nouvelle ambition, une nouvelle envie qui concrètement prend forme en vous. Et très sincèrement, ici, on voit bien que elle est présente, mais que vous ne savez pas trop bien comment vous en dépatouiller. Et donc, ici, bah, on vous dit, voilà, je ne vais pas redire, hein, mais regardez ce que vous voulez atteindre. Le potentiel qui se présente à vous, là, voyez ce que vous voulez en faire et trouvez les moyens. Hop là, alors, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le soleil, rien que ça. Rien que ça, les taureaux. Le soleil. Alors, le soleil, c'est la victoire. C'est le fait d'être dans une situation qui finalement vous permet de vous sentir bien, de vous sentir réalisé, en harmonie, qui vous propose de profiter de la vie. Donc, en fait, si vous voulez, là, on vous demande de rayonner et de rayonner par le fait d'aller vers votre idéal. Il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment d'autres, j'allais dire, d'autres solutions, voyez. Alors, c'est assez intéressant parce que vous voyez cet as de bâton qu'on a ici, on l'avait aussi dans votre guidance du mois de juin, dans le cadre de la guidance annuelle, quand j'ai fait mois par mois. Au mois de juin, on avait l'as de bâton. Il y avait bien quelque chose de nouveau et on avait l'arcane 13 aussi. Il y a un changement. Il y a un changement radical qui s'opère. C'est peut-être que là, en fait, vous allez décider de lâcher le côté pratico-pratique pour pouvoir suivre, en fait, ce que vous voulez, votre intuition et que votre mental soit au service, en fait, de la réalisation de vos rêves et pas au service de quelque chose de trop enfermé et de pratico-pratique. Bon, on va aller voir là où vous en êtes à la fin du mois. Hop. On y va. À la fin du mois de juin, les taureaux. Ah bah, ceci a sauté. On a le cavalier d'épée. Donc, effectivement, vous êtes en capacité de dépasser tous les obstacles qui vont s'opposer à vous. Vous avez une période de réflexion et d'intense, j'allais dire, d'intense sondage intérieur pour pouvoir savoir exactement ce que vous voulez. Mais une fois que vous le savez, que les choses sont claires et limpides à l'aide du soleil, eh bien, vous foncez et vous êtes en capacité de vraiment de dépasser tous les obstacles. Le cavalier d'épée, vous savez, c'est, je prends toujours comme exemple celui-ci, même si bon, on est sur un cliché un peu archétypal, mais en tout cas, ça parle bien. C'est le cavalier, enfin, pardon, le prince dans la belle.
au bois dormant. Vous savez, il prend son cheval, il traverse les ronces, il tue le dragon pour aller chercher la belle au bois dormant. Et ben en fait, c'est une parfaite illustration du cavalier d'épée qui, en fait, brave tous les dangers, est vif, réactif, se sert de son intelligence pour déjouer les pièges qui s'opposent à lui et qui est de toute façon victorieux et très très fier de sa victoire. Donc, sur la fin du mois de juin, il y a effectivement quelque chose qui démarre parce que vous aurez dépassé tous les obstacles grâce à un moment de réflexion, de lucidité et en même temps d'écoute intérieure et vous pourrez amorcer les choses. Bon, très bien. On va garder le soleil pour là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vais garder le matériel et l'émotionnel et le reste, on va le ranger. Alors, si vous avez des doutes hein, sur une petite question, que vous voulez juste avoir une confirmation d'intuition, j'ai depuis le début de la semaine, je crois, mis en ligne la possibilité de faire un tirage flash. Donc, c'est vous poser une question, je vous fais une réponse en un audio de quelques minutes, maximum 5. Et comme ça, ça vous permet d'avoir des orientations. Vous pouvez passer commande sur mon site. Voilà, avec vous avez toutes les infos qui sont affichées. Alors, on va aller voir là, on va aller voir la sphère professionnelle ou des activités sociales. Parce que si vous n'êtes plus en activité ou pas en activité professionnelle, c'est tout ce que vous allez faire en lien avec les autres dans la société. Hein, ça peut être l'engagement dans une association, dans une activité quelconque. Voilà, tout ce que vous faites à l'extérieur de chez vous et dans la sphère sociale. Alors, on y va. Deux de coupe, très bien. Le 2 de coupe nous dit que sur le sphère donc des activités, on va en parler comme ça, il y a un enjeu de partenariat ou en tout cas il y a quelqu'un d'autre en jeu dans la situation. Soit vous avez un problème avec un ou une collègue, soit vous voulez vous associer, soit il y a une belle synergie avec quelqu'un au niveau du travail, il y a un, on va dire, il y a du dialogue qui fait que ça vous permet d'avancer. Hein. Ça peut être aussi trouver quelqu'un qui appuie une demande, qui vous aide à trouver, à faire valoir, je ne sais pas moi, votre candidature quelque part. En tout cas, il y a une implication relationnelle au niveau de la sphère des activités. Ça peut aussi être une rencontre au boulot hein, ou une relation au travail ou dans ses activités. Alors, page de denier. Ok. Alors, moi, je dirais plus globalement que d'une relation où il y a de l'affect en jeu, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on aime bien pour le moins, il y a une possibilité de déployer quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on est, à mon avis, si on prend le plan général, on est sur quelqu'un qui peut vous aider à améliorer votre situation professionnelle ou d'activité. On va regarder la suite. Eh oui, 3 de bâton. Il faut penser à se projeter dans le temps. Alors, ça peut être aussi un déplacement, c'est-à-dire que, ah oui, pour rejoindre quelqu'un que vous aimez, vous avez la possibilité de demander une mutation, admettons, ou de déménager. Ça peut tout à fait sur un plan pratico-pratique. Après, si on prend un peu de hauteur, d'une relation, il y a un potentiel qui vous demande de vous projeter dans le temps et de voir un peu ce que vous voulez pour le futur, pour la suite. Hein, puisque le 3 de bâton, c'est je suis en capacité de réfléchir à ce que je souhaite voir advenir dans ma vie dans les semaines, mois ou années à venir. Ok, bien, on va aller voir la suite. Le jugement, ok. Alors avec le jugement, dans le travail, on peut avoir toute la notion de la communication, de la diffusion. Si vous avez besoin de déployer quelque chose à l'échelle, on va dire, de la distance, le jugement vous demande de communiquer, de déployer, de dire. Si vous cherchez du boulot, il faut postuler et diffuser largement. Si vous avez, je ne sais pas moi, si vous êtes dans une relation au travail qui vous oblige à vous positionner, il faut également communiquer, il faut dire les choses. Le jugement peut aussi être le fait que le passé se représente, mais ça peut être anecdotique, hein, que pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit que l'aspect de diffusion et de communication à grande échelle est important dans cette sphère-là. Et aussi, on vous parle de foi, hein, de croire que grâce à la foi, tout peut renaître, tout peut exister et que tout est possible. Hein. Il y a un peu cette notion-là sur le plan spirituel avec le jugement. Et en dernière carte, on a le roi de deniers.
D'accord, qui nous dit que y a en fait, si vous voulez, une belle construction possible. Alors, comme ça peut parler de différentes options, hein, je vous ai dit, soit c'est une relation au travail, soit c'est une relation qui vous permet de déployer quelque chose, quoi qu'il en soit, la situation est porteuse, pardon, de stabilité, de concrétisation, de durabilité, parce que le roi de deniers, lui, il construit, hein, il construit dans la durée, il ancre les choses et il n'est pas vraiment dans quelque chose voilà, de passager, de léger. Donc, on a ici, si par exemple vous comptez sur quelqu'un pour appuyer une demande par rapport au professionnel, vous pouvez vous dire que cette personne est stable. Voilà, est fiable. Donc, pas de souci. Et si bah, vous êtes empêtré dans un lien qui vous demande de vous projeter, bah oui, projetez-vous parce que ça va pas s'arrêter demain, quoi. Hein. C'est un peu ça, en gros. Ok, bon. Eh bien alors, on va aller voir la sphère pratique, matérielle, et ensuite on ira voir la sphère sentimentale. Alors, on avait donc ce fameux as de bâton avec quelque chose qui démarre et qui va avoir un impact hein, sur le côté concret de votre vie. Reine de bâton. La reine de bâton demande à s'affirmer. Donc sur le plan concret, il va falloir que vous soyez en capacité de définir vos réels besoins, ce qui est essentiel et ce que vous êtes en droit d'exiger hein, sur le plan pratico-pratique pour vous permettre de rayonner et de vous sentir réalisé, hein, le soleil. Alors, on a le 7 de denier. Oui, très bien, il y a une récolte. Ok. 7, vous savez, hein, les as, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel. Ici, on a un as de bâton, on a un 7 de denier. Donc, en fait, très concrètement, cette nouvelle activité permet de récolter des choses. Hein. Cette nouvelle passion, cette nouveauté, en tout cas, cette nouvelle action dans votre vie vous permet de récolter avec le 7 de denier. Cavalier de Pentacle, on vous dit tenez bon, continuez, soyez persévérant par rapport aux aspects. Encore une fois, pratique, les choses vont porter leurs fruits. Bon, super, on a quand même pas mal de cartes positives. Et 3 d'épée, on vous dit, voilà, bah encore cette histoire de lucidité. Hein. Donc, il y a aussi cette composante, je pense, le mental va être assez important pour vous, les taureaux, en juin. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester lucide, bien que vous soyez, on va dire, guidé pour suivre vos rêves, j'allais dire votre idéal. Là, le 3 de denier vous dit, ok, le 3 d'épée, pardon, vous dit, ok, il y a du potentiel, il y a quelque chose qui démarre, qui peut amener du potentiel si on est laborieux, j'ai envie de dire, mais il faut rester lucide. C'est-à-dire, ne vous emballez pas à vous dire, le 7 de denier, c'est une première récolte et je reste là-dessus. Surtout pas. Hein. Vous pourriez être dans la désillusion ensuite de voir que ben, c'est éphémère. Les 7, s'ils ne sont pas déployés, s'ils ne sont pas entretenus, ce sont des victoires qui sont éphémères, qui ne durent pas. Je prends toujours pour illustrer le 7, vous savez, ces personnes qui ont fait de la télé-réalité, qui ont connu une gloire instantanée et assez fulgurante dans les années 90, là. Et en fait, qui n'ont pas du tout entretenu ça. Hein, il y en a qui n'ont pas, ils ont pensé que ça durerait toujours. Et en fait, patatras, ils se sont retrouvés complètement oubliés, voire même dans des situations parfois catastrophiques. Ceux qui sont encore là, ou qui ont duré, ou qui ont fait des choses, sont ceux qui ont compris que c'était que du potentiel et qu'il fallait absolument travailler pour le déployer. Et bien là, pour vous, c'est pareil. On vous dit, il y a quelque chose qui amène une réussite. Attention! Soyez bien au clair qu'il faut continuer les efforts et être lucide sur le fait que ça peut s'arrêter là si vous ne le déployez pas. Dernière carte, eh oui, bah 8 de denier, voilà, au cas où je n'avais pas été assez claire. Faites des efforts. Les efforts finiront probablement par payer, puisqu'on a tout le reste du tirage qui nous le dit. Hein. Le 8, en général, si on l'a tout seul, on ne sait pas. On doit faire des efforts et on verra bien si ça paye. Là, en fait, on vous dit, voilà, soyez bien conscient que 8 de denier, cavalier de pentacle, il faut déployer les choses. Hein. Il ne faut pas espérer que ça tombe tout cuit dans le bec. Mais par contre, si on déploie, bah, 7 de denier, on a de la récolte. On a de la récolte prometteuse. Ok, bon, on va aller voir la sphère sentimentale. Dans la sphère sentimentale, on avait la grande prêtresse qui nous disait de suivre notre intuition. Alors, évidemment, la grande prêtresse dans la sphère sentimentale peut aussi vouloir dire situation cachée.
Hein, situation cachée qu'on ne dit pas, qu'on n'évoque pas, évidemment. Alors, hop, le jeu s'est complètement retourné. J'y vais. Allez. Hop. Il a envie de vous parler, celui-ci. Hein. Allez, la première. Ok, page de denier. Encore une fois, du page. Il y a du potentiel, il y a du possible. Mais ça demande... Encore une fois, vous allez me détester, ça demande encore une fois à être déployé. C'est-à-dire que si on ne s'affaire pas à mettre en route quoi que ce soit, eh bien, le potentiel reste à l'état de potentiel. C'est vraiment, là, l'image parfaite, c'est la graine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un paquet complet de graines de quelque chose, si vous ne les plantez pas, que vous ne les arrosez pas, que vous ne faites pas d'efforts pour les faire pousser, eh bien, ça restera toujours des graines. Alors oui, le potentiel est là, mais il ne vous rapportera rien. Bon, on va voir comment ça peut parler dans la sphère relationnelle. Ah, et on a un cavalier, pardon, un roi de denier. Bon, ok, donc là aussi, hein, on a de la fiabilité, de la stabilité, de la construction. Bon. 6 de coupe. Ah, quand même, une carte qui concerne la réalisation, en tout cas émotionnelle. 6 de coupe, de la nostalgie. Alors, vous pourriez avoir le retour d'une personne du passé, ou en tout cas de la nostalgie sur quelque chose du passé, quelque chose que vous avez connu. Alors, ce n'est pas forcément fixé sur une personne, hein. Vous pourriez avoir connu une très belle histoire, mais ne plus aimer la personne et vouloir revivre ce même type d'histoire, ce même type de sensation. En tout cas, c'est très basé sur la question du couple quand même, ou du partenaire, hein, du partenariat idéal. Ok, ça pourrait être sur, vous avez eu un associé absolument merveilleux il y a 15 ans, et vous vous dites, tiens, si je pouvais retrouver le même type de partenariat, ou si je pouvais retrouver cet associé. Mais en tout cas, on a une notion de nostalgie par rapport à une situation passée. Alors, est-ce que c'est parce que vous la mettez en regard avec une situation aujourd'hui potentielle? Ça, c'est possible aussi. Alors, du coup, la grande prêtresse, là, ça peut être que vous gardez en vous le secret de cette nostalgie. Allons voir la suite. 4 de coupe. Eh oui, il y a de l'insatisfaction. Il y a du possible et en même temps, rien n'est parfait. Le 4 de coupe, c'est cette situation où vous vous dites « oui mais ». Il y a, c'est plein, c'est à moitié plein, mais c'est à moitié vide aussi. Je ne sais pas trop comment déployer le potentiel. Alors en général, le conseil qui va avec le 4 de coupe, c'est de voir ce qui va et de s'attacher à déployer ce qui va plutôt que de faire grossir ce qui ne va pas. Hein. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Et on va aller voir la dernière carte qui, elle, est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il a envie de se faire plaisir. Il a envie, j'ai envie de dire, avec le soleil et le roi de coupe, on a plutôt une tendance à vouloir aller dans la légèreté, dans les plaisirs, s'assurer qu'on peut séduire, qu'on peut plaire, que voilà, le roi de coupe, si vous voulez, il aime bien jouir de tous ses sens. Alors, il aime voir qu'il plaît, il aime passer des bons moments, il aime sa liberté, il aime passer des moments avec ses amis, il n'a pas très envie de se contraindre à quelque chose. Alors, ici, moi, je dirais que il y a une situation qui se présente, mais que ça nécessite réflexion et patience, parce qu'il y a quand même toujours quelque chose ici dans l'ombre qui vient en fait mettre de l'insatisfaction en vous disant, bah oui, mais avant c'était mieux. Il y avait quelque chose avant qui était mieux et qui fait que, bah voilà, aujourd'hui, bien qu'il y ait du potentiel et qu'on ait l'impression que ça puisse être source de construction, on n'est pas tout à fait OK et qu'on est dans une dynamique de rester plutôt sur de la légèreté. À mon avis, il y a une blessure à guérir, mais, et c'est pour ça qu'on vous demande de patienter avec l'ermite, mais ça résonnera différemment pour chacun de vous. Ok, bon, on va aller voir les aspects forme et énergie pour ce mois de juin. On va aller voir ce que ça nous dit, comment vous allez traverser ça. Hop là, bon, tout le jeu, c'est... Hop là, je vais récupérer mes cartes. Voilà, alors... Coupe.
Bon, 8 de coupe, c'est cet effort qu'il faut faire pour aller vers ce qui nous tient à cœur. On en est là, hein. De toute façon, vous devez aller vers le 9, votre idéal. Et le 8 de coupe, il y a une notion d'effort, il y a une notion d'énergie dépensée. Donc, on va aller voir la suite pour voir si ça sera maîtrisé ou si ce sera un peu fatigant. Le 4, bon, ça va, vous maîtrisez. Vous maîtrisez les choses, c'est-à-dire que vous arrivez à mesurer vos efforts et à mesurer votre énergie et la façon dont vous allez la déployer. 2 d'épée. De toute façon, vous savez qu'il y a une stratégie à déployer, qu'il y a un temps de réflexion à mener, on en revient toujours là. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente, mais vous n'êtes quand même pas convaincu de la, j'allais dire, de la pertinence de la chose, d'accord? Parce qu'il y a un idéal, parce qu'il y a un rêve, et on vous dit ne vous contentez pas de ce qu'il y a et de ce qui est, mais continuez à chercher votre rêve et votre idéal. Hein. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai dit au début. Donc ici, on vous dit, bah, vous allez, bien qu'il y ait une grande envie de partir en quête, vous allez réussir à maîtriser cette énergie, cette volonté pour réfléchir et trouver la meilleure issue, la meilleure façon. Donc en fait, on va avoir un mois effectivement plutôt passif qui va vous amener à de la réflexion et à une certaine intériorisation. Bon, et eh ben écoutez, les taureaux, voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer à vous offrir ces guidances entièrement gratuites tous les mois. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, car ça vous donnera l'opportunité d'être notifié de la sortie des vidéos. Et je remercie infiniment tous ceux qui ont déjà fait tout ça depuis longtemps et que je retrouve avec plaisir dans les commentaires. Et également ceux qui vont le faire à partir de maintenant. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Bye bye!